L'actuelle génération de Classe C date de 2014. On a vu d'abord la berline, puis le break, puis le coupé fin 2015. Voici maintenant le cabriolet. C'est d'ailleurs la première fois que la Classe C a droit à son cabriolet, rien qu'à elle. Ce cabriolet utilise en grande partie les traits du coupé, notamment avec ses feux arrière. La capote est en toile et Mercedes annonce qu'elle sera faite avec les mêmes ingrédients que celle de la classe S cabriolet. Voilà qui promet une insonorisation et une isolation thermique au top de la catégorie. La capote pourra se manœuvrer jusqu'à 50 km/h en moins de 20 secondes selon Mercedes. Le constructeur annonce également la possibilité d'avoir le système Air Scarf, déjà vu sur la SLK, qui souffle de l'air chaud sur le cou des passagers avant, et l'Air Cap, connu sur la classe E cabriolet, qui diminue les turbulences aérodynamiques dans l'habitacle. Cet habitacle offre bien sûr 4 places, mais une des questions est de savoir si les passagers arrière seront bien installés. Cette classe C cabriolet sera disponible avec la plupart des motorisations de la classe C et pour la première fois, un cabriolet Mercedes sera proposé en 4 roues motrices. Enfin, presque la première fois, puisque juste avant elle, la classe S cabriolet existait déjà aussi en 4 roues motrices cabriolet. Les prix seront connus dès le mois d'avril et les premières livraisons débuteront cet été.